Et eh bien bonjour à tous, c'est XX52, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui on va découvrir ensemble les défis donc de la semaine 6, saison 7 de Fortnite Battle Royale. Et on va essayer d'en faire un, donc en vidéo là on va en faire un. Donc on va regarder donc dans les défis, semaine 6. Donc on va regarder ensemble. Fouiller une boîte de munitions à des lieux dits différents, il faut en fouiller 7. Trouver des nains de jardin glacés, donc ça ce sera en vidéo les gars, ne vous en faites pas. Éliminer des adversaires à Lucky Landing et Tilted Tower, ça ce sera pas en vidéo. Visiter Polar Peak et Tilted Tower en une seule partie, donc c'est l'étape 1. Faire glisser un palais sur plus de 150 mètres en un seul coup, ok. Étape 1, blesser des adversaires avec des pistolets mitrailleurs, ok. Infliger des dégâts avec différentes armes en une seule partie. Donc je pense qu'il faut utiliser deux armes différentes 5 fois dans 5 parties différentes, si je dis pas de bêtises. Ou alors c'est 5 armes différentes en une seule partie. Je pense que c'est ça, 5 armes différentes en une seule partie. C'est un défi assez chaud mais c'est réalisable. Allez, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est faire glisser un palais sur plus de 150 mètres en un seul coup. Il y a une technique hyper simple de le faire ultra rapidement et je vais vous la montrer. Let's go, on se retrouve en partie. Juste avant, mettez dans votre casier le palais si vous l'avez débloqué. Je pense que oui. Hop, on met le palais directement en première position. C'est parti les gars. On part en solo. Mais juste avant de partir en solo, je tenais à vous préciser que vous pouvez vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir pour suivre l'avancée de la chaîne et tout, ne rien louper en fait en tant que vidéo. Et mettre mon petit code créateur pour tous les achats de boutique. Allez, c'est parti, on se retrouve en solo. Pour ce défi, je vous conseille d'aller sur la montagne viking. N'hésitez pas à y aller, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. Donc hop, on saute et on se retrouve donc sur la montagne. Donc une fois sur la montagne, on se positionne à peu près vers ici et on envoie le palais dans la neige. Ok, donc là il descend. Il est parti, donc normalement le défi va se valider une fois qu'il... Voilà les gars, 180 mètres, en fait c'est l'idéal pour réaliser le défi. Donc les gars, le défi est réalisé mais je préfère vous prévenir qu'il faut vous suicider pour que le défi soit correctement validé. Donc c'est ce qu'on va faire, on se suicide et hop. Donc une fois qu'on est mort, voilà, le défi est bien validé. Vaut mieux suicider les gars, préférez le suicide. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo défi. Allez, ciao ciao les gars.